Je suis Pierre Tan. Et ceci est ma légende. Nous avons repoussé les assaillants, mais il faut pas se reposer sur nos lauriers. Certes, nous avons gagné une bataille, mais la guerre, elle, est loin d'être gagnée. Actuellement, l'Empire Occidental compte plus de 8000 soldats, contre 3000 pour nous. Alors il faut être très prudent, car le moindre faux pas pourrait nous conduire à la défaite. Cependant, avec le recrutement de l'Archonte Vipon, nous avons quelques châteaux, mais surtout deux villes de plus, et cela compte dans la balance des forces. Peu de temps après la bataille, en réponse à ma proclamation d'unification de l'Empire, j'apprends qu'une conspiration s'est levée contre moi, sans doute dans le but de m'arrêter, certes, mais aussi simplement de détruire ce qui reste de l'Empire une bonne fois pour toutes. Cette félonie se nomme la conspiration d'Arzagos. Coïncidence ou non, juste après que ce complot a été mis au point, la Sturgie me déclare la guerre. Je me rends donc au nord pour défendre mes terres nouvellement acquises, et j'observe un petit contingent de 90 nordiques en train de piller mes terres. Je vais leur montrer l'hospitalité impériale. Ça vous apprendra, sale barbare. Pendant que je suis sur le front pour défendre mes terres, je reçois un rapport avec une merveilleuse nouvelle. Fêter la naissance de mon petit, je décide d'aller choper un noble, de massacrer tous ses hommes et de me faire l'argent sur son malheur. Allez, viens là, t'es mon cadeau naissance. Et voilà, ni vu, ni connu. Après cela, les choses sérieuses ont commencé. Une armée de 500 soldats assiège le château de Varagos. Je m'en vais donc livrer bataille. Malheureusement, au début de la bataille, je me pris un javelot qui me rendit inconscient. De ce fait, le destin de la bataille mais aussi celui de l'Empire était dorénavant entre les mains de mes vassaux. Au final, nous avons quand même remporté la victoire après 2 heures de perte. En effet, sur nos 600 soldats, seulement 100 sont s'en sortir indemnes. Après avoir repris mes esprits, je passe en revue mes différents prisonniers. Et je parviens même à en rallier un à ma cause. Suite à cela, mon territoire continue de grandir avec Amprella à l'est. J'enchaîne les batailles et je me rends à Homor pour repousser les Nordiques qui tentent d'empiéter sur leur territoire. Bien qu'étant en légère infériorité numérique, nous gagnons la bataille facilement grâce à l'aide que nous procurent les remparts. Alors que je me prépare à aller assiéger un autre château de l'Empire Occidental, une offre vraiment inattendue apparaît. En effet, l'Empire Occidental est prêt à me verser un tribut de 200 pièces d'or par jour en échange de la paix. C'est donc avec un énorme plaisir que j'accepte leur humble requête. Malheureusement, pas de repos pour les braves. Cette fois-ci, c'est au tour de l'Empire Méridional de me déclarer la guerre. Malheureusement, cette déclaration de guerre me force à négocier la paix avec la Sturgie. Je dis malheureusement car je devrais leur verser un tribut de 1200 pièces d'or par jour si je veux maintenir cette paix. C'est une somme conséquente, mais je n'ai pas le choix, car sinon, nous serons pris en étau. Vu que nous sommes en guerre contre l'Empire Méridional, je décide de profiter de cette occasion pour prendre un château de plus. Mais une gigantesque armée arrive sur moi, donc on va fuir simplement. Ainsi, c'est un jeu du chat et de la souris qui commence.
Je rejoins enfin une armée, mais elle est trop faible. En effet, elle est constituée exclusivement de recrues. Donc, je décide de la dissoudre et d'en prendre le commandement. Et je ne sais pour quelle raison l'armée ennemie nous lâche et semble vouloir changer de cible. Ainsi, nous lui suivons prudemment. Un peu plus loin, il décide d'assiéger le château de Varagos. Décidément, ce château-là, c'est moi la quatrième fois qu'il subit un siège. Malgré que nous ayons affaire à une armée constituée de soldats d'élite, ils ne peuvent rien faire face à notre fortification et ils se jettent contre nos murs avant de rendre leur dernier soupir. Ainsi, la victoire est à nous! On les a repoussés? C'est bien, maintenant passons à la contre-attaque. Ils voulaient nous prendre un château, hein? Alors, dans ce cas, nous allons leur prendre un château! Face à notre fureur et notre rage, les défenseurs ne peuvent rien faire et le château est à nous! Pour récompenser la loyauté d'un de mes compagnons mais aussi renforcer ma faction, je décide de donner le château nouvellement acquis de Sestadem à Zalassos le Silencieux. Pourquoi je dis renforcer ma faction? Simplement parce que Zalassos va devoir créer son clan, et les clans sont pris en compte dans le rapport de force entre chaque faction. Ainsi, ce clan aura pour mission de servir la famille impériale et tous ses descendants. Alors, il portera le nom de Servitores! Les protecteurs et gardiens infaillibles de l'Empire! Juste après, je remonte au nord, car les Kuzaï de Monchuk nous ont déclaré la guerre. Ils sont en train d'assiéger une de nos fortifications, et donc j'arrive sur le théâtre d'opération pour sauver la situation. Étant bloqué dans une situation de statu quo, les renforts arrivent à point nommé. Pris entre deux grosses armées, ils ne peuvent rien faire, ils sont exterminés. Impressionné par ce coup d'éclat, l'Empire méridional accepte de faire appel, bien entendu pour quelques centaines de pièces d'or, mais cela sert nos intérêts. Puis je me rends en prélat pour me reposer dans la taverne avant de repartir vers d'autres aventures. Salutations voyageurs. Attendez, restez là deux secondes s'il vous plaît, juste deux secondes. Vous avez aimé cette vidéo, non? Alors abonnez-vous en bas à droite. Oh, des let's play d'une qualité vraiment comme mamie faisait. Et en bas à gauche, un autre let's play qui va changer votre vie. Bon d'accord, j'exagère peut-être un peu. Bon, en tout cas, au revoir voyageurs.